Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Actuellement, Roro est en train de se préparer pour le mariage de demain. Je vais vous montrer sa tenue. Enfin, il va se montrer tout seul. Et moi aussi, je vais aller me préparer. On va vous montrer tout ça. Juste avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas non plus de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et bien sûr, de rentrer le code créateur Duo dans la boutique Fortnite. C'est très très important. Ça nous aide aussi énormément. Et puis moi, tout simplement, je vous souhaite un bon visionnage. T'es prêt? Encore? C'est sa vie. Je vais préparer, on va vous montrer tout ça et vous me direz ce que vous en pensez. Je vais mettre une cravate. Tu voulais mettre une cravate? Non, j'aurais pu. T'aurais pu. Bon, tu penses quoi? Franchement, je kiffe. Avec kiffe la veste ou quoi là? Sans la veste. Attends, sachant que j'ai clairement pas l'habitude de m'habiller comme ça, ça doit faire au moins. Je t'ai rarement vu habiller comme ça. Bah, depuis que j'étais en cours. Tu peux enlever le bouton du haut, hein, je pense. Hein. Tu penses? Je sais pas. Les gars, avec ou sans le bouton du haut? J'aurais pu mettre la cravate en vrai. T'as vu les chaussures et tout, elles sont toutes neuves. Ah, ça rigole pas, là c'est du Roro 2.0 là. Je me sens pas à l'aise dans mon tenue. Moi c'est gros jogging et tout. T'en penses quoi? Non, franchement. Moi je valide. Pour ça. Je te filme pour toi. Ouais. Alors moi j'ai un problème moi. Je sais pas, alors attendez, il y a un problème. J'ai un souci avec ma robe. Déjà, je sais pas si je la mets comme ça. Ouais. Je sais pas si je la mets comme ça. Je sais pas si je la laisse comme ça. Ouais. Ou si. Ça va dans le sens inverse. Ou si elle va comme ça. En fait, c'est pas. En fait, elle sait pas si elle va dans ce sens-là ou dans ce sens-là en gros. Parce que l'étiquette, elle est de ce côté-là, tu vois. Ouais. Genre, elle est là. Ouais. Donc, ça, logiquement, c'est censé aller dans le dos. Et du coup, dans ce sens-là, je le trouve moins bien. J'ai mis les chaussures pareil. Chose que je fais jamais. Hein. Clairement, les talons, pour moi, c'est niette. Niet. Je sais pas. Bon, là, je suis pas coiffée, pas maquillée, rien du tout. Hein. Regardez, les gars, il y a un arc-en-ciel. Je sais pas si ça se voit, je sais pas si en vidéo il se voit. Il est magnifique, hein. Il vient de pleuvoir en fait, et là, il refait soleil. Putain, ça fait longtemps que j'en avais pas vu un aussi. Hein. Je sais pas. Du coup, tu l'as re-retourné encore? Ouais, mais en fait, je sais pas parce qu'il y a une ligne là, comme si c'était pour aller dans le dos. Je vais avoir l'air conne, non? Les potes, je pense que vous vous doutez bien, habillé comme ça, on va pas aller pour notre mariage à nous. Ah non. Dans le sens où je pense qu'on serait quand même déjà habillé autrement. Oui, bah oui. Un mariage dans ma famille à moi, du coup voilà, c'est demain là où on vous tourne la vidéo. Oh, la jour où on vous tourne la vidéo, le mariage est demain, du coup on a dû préparer des tenues et on a tellement pas l'habitude de s'habiller comme ça, surtout moi. Je suis clairement pas à l'aise dans une tenue comme ça, mais bon, c'est pas grave. Moi ouais, je kiffe là. Pourtant, quand j'étais jeune, j'avais l'habitude, j'ai cravate, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai veste, j'ai plein de chemises ou quoi. C'est Rodolphe. Là maintenant, depuis que je suis adulte, c'est parce que avant moi, quand j'allais au lycée, je m'habillais comme ça, tu vois. Ouais, voilà, parce que j'étais en dans un truc pro, ouais. J'étais en section pro, bah, je pense pour ceux qui sont en bac pro, je pense qu'il doit s'habiller pareil. Mais là, depuis, j'ai plus jamais remis des tenues comme ça. Hein. Ça se voit tellement que c'est pas nous, genre, mais alors vraiment. Hein. On est désolé si vous êtes déçus du fait que ce soit pas notre mariage, mais bon, je pense que vous l'aurez annoncé autrement si on devait se marier. Il y en a énormément qui nous posent la question, mais écoutez. C'est entre nous. Voilà, c'est entre nous. Voilà, demain ça va durer toute la journée. Du coup, bah en fait, on doit partir assez tôt. Du coup, faut pas qu'on se couche trop tard. Sauf que nous, bah, vous nous connaissez. 7h du matin et c'est tout. Donc, bon, écoutez, je sais pas comment on va faire cette nuit. Parce que demain, faut absolument qu'on soit en forme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les potes. J'espère que nos tenues vous auront plu. Comme j'ai dit, on aurait pu faire encore un plus gros effort. Mais c'est pas notre mariage, j'allais pas mettre une cravate ou quoi. Enfin, je sais même pas si ça se fait de mettre une cravate pour un mariage. Je sais pas, on en sait rien. Moi, le seul truc que je sais, c'est que une femme qui est invitée à un mariage, elle doit pas mettre une robe blanche. Et ça, on me l'a toujours dit. J'ai demandé à ma famille et tout. Ouais, elle est pas blanche, elle est rose. Mais de base, je voulais mettre une robe blanche. Mais je me suis rappelé que pendant les mariages, c'est pas coutume de t'habiller en blanc en fait. À part pour la mariée. À part pour la mariée et pour les hommes, genre en gros, bah s'il met une chemise blanche mais qu'il a un costard noir, je crois que tu peux. Hein. Ouais, les bleus. Bref, je sais plus. Dites-nous dans les commentaires si vous savez. Toi, les bleus. Ouais, les bleus clairs. Bleu clair, ouais. J'aime trop. Elle est blanche comme ça de loin. Ouais, mais putain, j'aime trop cette couleur, c'est trop beau. Les potes, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à ce soir pour le live. Je sais pas comment ça va se passer, comment ça sera demain pour les vidéos, le live. En sachant que peut-être cette vidéo sortira le jour où, du coup, on va au mariage. Donc, bah, au final, le jour où vous verrez cette vidéo, il y aura peut-être un changement au niveau des lives ou quoi, je sais pas. Merci encore. Peace!